Bonjour à tous les amis, vous êtes sur la chaîne de DZNetwork.fr et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre Let's Play sur WarZ. Alors, je suis mort, comme vous avez pu le voir lors du précédent épisode. Alors, je n'ai pas d'autres personnages vivants, alors ce que je vais faire, je vais en supprimer un et je vais tout de suite vous montrer pourquoi. J'ai pas encore testé, hein, mais on a eu une mise à jour. Eh ben, t'en faut du temps pour supprimer un perso. Ah, j'aurais peut-être dû regarder les stats. 33 zombies pués. Tués, ça me semblait pas mal. Ah non, 74 quand même. Ok. Alors, nouveau survivant que nous allons appeler... Madly Mad. Voilà. Hardcore, c'est parti, continue. Nous avons eu des nouveaux personnages. Vous voyez, un espèce de... de jeunes rebelles et un mec cool. Mais bon, apparemment il faut les acheter et ça coûte super cher. On peut unlock avec des points d'expérience. Alors tiens, ça m'intéresse. Unlock, et apparemment on peut acheter des game coins. Ok, rebel without a cause. Ah bah voilà, rebelle, j'avais bien raison. Et lui, comment il s'appelle? Joe Moyen. Ok. T'as 150 000 points, je me demande ce que ça, à quoi ça correspond. Ça correspond peut-être à ça. Ah ouais, ça a l'air d'être... l'expérience a l'air d'être commune à tous les personnages. Bon, a priori, je peux pas me créer de nouveaux personnages. Enfin, du moins, je peux pas avoir cela. Bon, il faut savoir que à la base, on pouvait jouer qu'avec Ex-Military. Quand je dis à la base, hein, c'était dans les premiers jours de jeu. Et ces deux-là, pareil, ils étaient bloqués, il fallait les acheter. Et je les ai pas achetés, ils ont été débloqués tout seuls au bout d'un moment avec une mise à jour. Donc je pense que ceux-là viendront plus tard. Voilà. Bon, bah on va continuer avec notre meilleur personnage, avec 74 zombies tués, un bandit et 3 civils. Allez, revive. On va te donner quelque chose quand même, histoire que tu sois pas complètement à walp. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que c'était long. Allez, une bouteille d'eau d'un litre. Un paquet de chips. Et quelques bandages. Ah, et un casque. Ah oui, suis-je bête. J'en ai tellement en plus. Sac à dos. Voyons voir. Est-ce que je prends un sac à dos? Allez, on va dire que oui. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste encore un médium. Tiens, je vais prendre le médium. Change. Ouais, le médium, ça me paraît pas mal. C'est quoi, 18 slots, c'est jusque là. A priori, 12. Voilà, ben. Ouais, allez, on va dire que c'est pas mal. Je vais peut-être faire ça en jeu, parce que là, les one moment please, ça va être chiant. Alors oui, donc je disais une mise à jour, comme vous avez pu le voir, avec deux nouveaux personnages. On a eu aussi beaucoup de corrections de bugs, donc je vais pas vous les citer, parce que pour ma part, je ne les ai pas rencontrés. Mais bon, hein, des corrections de bugs, comme on en aura tout le temps. Et sinon, qu'est-ce qu'on a eu aussi? Ah oui, maintenant, quand on se fait tuer par un joueur, on a le nom du joueur qui s'affiche. Et pas seulement, vous avez été tué par un bandit. Donc maintenant... on a le nom du joueur. Et on voit que c'est une version alpha parce que, comme je l'avais déjà dit, on avait eu des mises. Oh tiens. On avait eu des mises à jour qui nous indiquaient que les zombies ont été améliorés. Ensuite ils ont. Leur force elle a été réduite. Et bien là, dans la mise à jour d'aujourd'hui, la force des zombies a été augmentée. Donc on voit qu'ils savent pas trop encore où ils veulent aller avec ça. Mais bon, apparemment les zombies sont plus costauds. Ok, on apparaît direct. Donc vous voyez, c'est à peu près ce que je vous avais dit. Quand on meurt avec un personnage, si on ne le tue pas, si on ne le supprime pas, eh bien on réapparaît pas trop loin de là où on est mort. Et c'est bien là où je me suis fait tuer, c'était à Springer Ridge Trailer Park. Donc... ah oui, regardez, en position 25, nous avons un méga bandit. Donc ça, c'est un vrai méchant qui tue tout ce qui bouge. J'ai un peu repensé à la fin de l'épisode précédent. C'est vrai que j'ai agi de manière complètement stupide.
Je sais pas pourquoi j'avais le fusil à pompe, mais j'ai même pas pensé à m'en servir en fait. Je sais, c'est pas malin de ma part. Alors j'avais dit que je ferais ça, voilà. Je sais pas pourquoi. Vraiment, je sais pas, je crois que j'ai été abasourdi en fait par le fait que le bonhomme il m'attaque. Le mec, je lui ai sauvé la vie, grâce à moi, il a eu une batte de baseball et il a eu de quoi se défendre. Il m'avait dit qu'il était friendly. Voilà, j'ai envie de dire, pourquoi faire confiance dans ce jeu? À quoi bon? Mais bon. Maintenant, je sais à quoi m'en tenir, hein, carrément. Alors, laisse-moi regarder la carte. Tyler Ranch. Ouais, c'était pas mal, hein, Tyler Ranch. Alors, si je dis pas de bêtises, ça doit être juste en bas ici. Quelque part par là. Ah, je crois que c'est ça. Peut-être. Bon, j'en sais rien. Mais ouais, c'est quelque chose. Quelque part ici. Ça m'a dégoûté, hein. J'avais une bonne partie hier. J'avais de bons items et tout. J'ai perdu mon fusil à pompe. Bon, apparemment, le Mooseberg, on le trouve assez facilement. C'est un item qui est pas rare du tout. Et c'est vrai que j'en ai déjà eu pas mal dans les mains, mine de rien. Donc bon. Avec un peu de chance, on va en retrouver un. C'est vrai que j'en avais trouvé un dans la ferme rouge juste ici, donc pourquoi pas. On va tout de suite se confronter aux zombies d'ailleurs, on verra ce que ça donne. Apparemment, ils sont plus costauds. Alors, voyons voir. Il faut que je contourne ces rochers. Ah oui, au fait, enfin, non, rien à voir. Je repensais au jeu concours que j'ai envie de faire. Donc, jusqu'à présent, je n'avais aucune idée de quel type de jeu concours faire et de quel gain faire gagner. Ça a un peu changé, j'ai trouvé quel type de concours j'allais faire. Ce sera super simple, ce sera un concours participatif, donc il n'y aura même pas de questions, de trucs comme ça. Vous aurez juste à participer. Qu'est-ce qu'on a là? Large backpack. Eh ben dis donc, ça valait la peine que je prenne un médium. Hop là, nice, encore plus de slots. Donc ouais, j'ai déjà trouvé le thème. Ce sera super simple. Seule chose qu'il y aura à faire, c'est participer. Mais j'ai pas encore trouvé les gains. Voilà. Donc, si encore une fois vous avez des idées de gains, moi je suis preneur, hein. Que ce soit du dématérialisé, du matériel, n'hésitez pas à me le dire. Mais pour être honnête, moi pour le moment j'hésite encore pas mal entre soi. Par exemple, un jeu vidéo quelconque, enfin pas quelconque, non, un truc qui est plus ou moins stylé. Ou, je sais pas, par exemple, des cartes iTunes, par exemple. Hein. Ou même encore, pourquoi pas, hein, du matériel informatique, une souris que j'affectionne, quelque chose comme ça. Pourquoi pas, hein. Je suis en train d'y penser. Je me dis que je pourrais faire gagner. Saiga, je crois que j'ai une arme de Saiga, ou bien. Alors. Pourquoi je fais ça maintenant, moi? Je cherche vraiment la merde. Je veux lire une note alors qu'il y a un zombie qui arrive. Un zombie qui devrait faire plus mal s'il me touche. S'il me touche, mais vu que je suis imbattable, hein. Alors, ça, c'est intéressant. Du coup, je suis en train de me demander s'il n'y a pas des notes qui ont été mises par le jeu en lui-même, par les développeurs, parce que c'est le même texte que j'avais déjà eu dans une précédente note, et à cet endroit-là. Alors soit je suis sur le même serveur, il y a quand même peu de chance, ou alors il y a des notes qui sont là par défaut. Et du coup, ça m'attriste beaucoup. Je dois vous avouer que je pensais que toutes les notes qui étaient déjà là étaient mises par les joueurs. Huh. Ah bah voilà, on en apprend tous les jours, hein. Bon, c'est pas grave. Ce n'était pas un riche zombie. Toi, tu vas te lever, je suppose. Non, il n'y a pas d'item par là. Je vais aller jeter un coup d'œil derrière la grange. Appétissant. Ouais, donc, hein, si vous avez des idées de gains,
N'hésitez pas à me les faire connaître dans les commentaires des vidéos directement. De toute façon, je lis tous les commentaires. Je réponds pas à tous, hein, mais je lis tous les commentaires. Tous les commentaires où vous dites merci et ça fait super plaisir, ah enfin la vidéo quotidienne et tout, ils me font super plaisir. Ne pensez pas le contraire, même si je n'y réponds pas, je vais juste pas prendre le temps de répondre à chaque fois individuellement à chaque remerciement. Je le fais de manière globale dans toutes mes vidéos et je vous remercie à chaque fois. Donc voilà, mais je prends le temps de lire tous les commentaires, il n'y en a pas un qui passe à la trappe. Donc si vous avez des idées, vous pouvez le mettre dans les commentaires, ce ne sera pas perdu, bien au contraire. Voilà, ou alors, je sais pas, par n'importe quel autre biais, par le site internet, par le Facebook, le Twitter, enfin, on a assez mis de moyens de communication en place, donc n'hésitez pas. Ok, bon, eh ben, on va retourner sur le lieu de notre mort, Springer Ridge Trailer Park. Et puis, d'ici à arriver sur place, ben, on va faire une courte ellipse. Alors, je vous reprends. Il y a quelqu'un dans le chat de proximité qui m'a parlé. Apparemment, il y a plusieurs personnes à proximité. Ils se disent friendly. Bon, on verra, hein. Je vous avoue que je n'ai pas retenu le nom du bandit qui m'a tué. Et en marchant, j'ai pensé que j'ai oublié de vous dire un truc à propos de la mise à jour d'aujourd'hui. Il y a eu des mises à jour de la map. Alors, je n'ai rien vu comme ça. Donc, ça doit peut-être être, je sais pas, des corrections de bugs, peut-être des nouveaux loot ou des trucs comme ça. En tout cas, c'est l'intitulé. En tout cas, l'intitulé de la mise à jour était assez vaste. Du coup, voilà. Désolé, hein, je suis un petit peu. Y a beaucoup de monde ici, ça m'embête. Ça m'embête parce que s'il y a du monde, ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de loot. C'est indéniable. Ça m'embête. C'est tranquille ici, il n'y a pas de zombies. J'ai déjà remarqué ça lors de l'épisode précédent. On a la paix ici, ça c'est clair et net. C'est vraiment le code international du friendly, c'est de sauter sur place. C'est comme dans DayZ, on penche la tête à gauche et à droite. Dans WarZ, on saute. Alors, ouais, vraiment rien d'intéressant ici, étonnamment. Chemlight. Énergie drink, y a pas d'armes. Bon, heureusement, j'ai déjà trouvé un sac à dos intéressant. Ouais, mais le reste, c'est un peu pour dire ce qui est. Ah, une maison. Si seulement il pouvait y avoir des loots dedans, ça aurait pu être intéressant. Voyons voir la map. Alors attendez, moi de mon côté, je vais ouvrir The Cartographer, The War Z Cartographer, étant donné que la carte proposée sur ce site indique aussi vite fait s'il y a des loots intéressants. Ah oui, c'est vrai, il y a Crystal Lake Resort. J'avais dit que je visiterais, bah maintenant que je suis ici, je vais pouvoir y aller. J'espère juste que. Ah non, c'est bon, on peut y accéder. J'avais peur que ce soit de l'autre côté d'une rivière quelconque. Mais a priori, non. Donc voilà, plutôt une bonne nouvelle. Donc ouais, pour revenir vite fait à l'histoire du jeu concours, je pense que ce sera juste quelque chose où il suffit de dire je participe et puis vous serez tiré au sort.
parmi tous les participants, avec différentes manières de participer. Enfin, j'ai pas encore tout peaufiné, mais ce sera quelque chose d'assez simple, plus un tirage au sort. Pas comme le premier jeu concours où il fallait tout de même deviner quelque chose. Voilà, comme ça là tout le monde aura sa chance, peut-être même plusieurs chances. Je verrai encore comment je vais organiser tout ça. Et ouais, il me manque juste une idée de cadeau. Si c'est un cadeau matériel, je vous l'enverrai par la poste, bien évidemment. Donc, en espérant que. Enfin, je verrai encore. Disons que si c'est un colis que je dois envoyer en dehors de la France, faudra que je vois peut-être. Je sais pas, faudra que je vois. J'ai pas encore réfléchi à toutes les modalités, mais voilà, vous avez carte blanche pour me donner vos propres idées. Alors là, on est à. Je pense pas qu'on arriverait si vite. Crystal Lake Resort, si je dis pas de bêtises. Ça a l'air d'être assez intéressant niveau loot. Bon, c'est ce que disent WarZ Cartographer, donc moi je n'ai pas vraiment d'idée là-dessus. Mais bon, en tout cas, ça sent déjà le zombie. Le zombie, j'allais dire le jambon, j'ai dit jambi. Ça sent le zombie. Oh là là, ils en font du bruit. Je suis pas rassuré. Pas du tout. C'est sympa aussi cette région, j'aime bien finalement. Je suis jamais allé, mais j'aime bien. Bon, il n'y a pas d'item ici. J'aime bien le décor, je trouve que ça fait vachement, vachement sympathique. Il y a un poste de police au loin. Il a l'air d'y avoir des maisons ici. Tiens, je vais essayer d'éviter le corps quand même. Oh là là. Oh là là, c'est qu'il y en a du monde ici. Oh. Je sais pas par où passer. Ça va, je me suis pas fait repérer. Ah, un marteau. Bah, c'est sympa tout ce que je trouve ici. Oh, il y a quelque chose là. Je vais me faire repérer pour l'avoir. Non, ça va. Painkiller. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a des maisons. J'ai vu des véhicules aussi, enfin du moins un. Encore un véhicule, les maisons. Ah, Kimlight, non merci. Donc ici, je dirais que c'est une épicerie. Ouais. Qui a l'air d'être. Ah non, j'allais dire qu'elle est vide, mais on a quelques petits trucs. Là. Ouh, ça c'est bon. J'ai pas de réponse, je tire. Je vous le dis honnêtement. J'ai pas eu de réponse, j'ai tiré. Eh ben, vous savez quoi? J'ai bien fait de tirer. Il a pas mal de stuff.
Ouh là là, ouh là là. Putain, il a la masse de stuff. Hein. SVD ammo, med kit, coconut, hammer, bandage, water, small, large backpack encore, antibiotiques, bag of chips, encore des jumelles. Pas mal, pas mal. J'avais prévenu, hein. Pas mal du tout. Moi, il faudrait peut-être que je me plique en bandage. Voilà. J'ai soif, ouais, je peux boire. Ah, j'en ai 4, pas mal. Je vais peut-être manger la barre de. Je vais faire un peu de place en fait, hein. C'est ça le but de la manœuvre. Barre de chocolat. Un coconut water, je sais pas trop ce que ça fait, on va la prendre, on verra bien. Ok, ça donne beaucoup à boire, dommage, j'ai dû en perdre un peu. Ah bah c'est pas mal, j'ai quoi là-dedans? J'ai 9 balles et j'ai encore un chargeur ici. Vraiment pas mal. Et encore un medium backpack et un large backpack. J'ai vraiment plein de trucs. Vraiment pas mal, j'ai bien fait de le tuer. Vous savez quoi? Je suis content de moi. Il y en a qui vont dire que c'est dégoûtant. Mais voilà, j'avais prévenu cette fois-ci, je n'ai pas tiré sans raison. Du coup, pour ma part, c'est entièrement justifié. Puis c'est la survie. Non, tout ça m'intéresse pas. Bon, et eh ben, c'est vrai qu'il y a pas mal de stuff ici. Alors, la suite. Est-ce que je suis passé en bandit? Voyons voir, ouais, mon pseudo. Mad. Ah non, je suis toujours en bas. 31, colonne du milieu, tout en bas. Mad. Neutral. Voilà. Une note. Est-ce que c'est une note de joueur? Ouais, sûrement. Ça y ressemble déjà plus. Ça ressemble au genre de note que moi je poste. Flare, non merci. Chemlight, non. Un petit truc là. Ah voilà, des antibiotiques. Ça, c'est bon. Ouh, il y a pas mal de trucs ici. Encore un des ammo pour la C. Eh, nice, nice, super nice. En plus, je crois pas que j'en ai déjà. Ça a l'air d'être un fusil à pompe, hein. C'est vrai que j'ai pas fait attention avant, mais vu le coup que j'ai donné, ça a l'air d'être un fusil à pompe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette région? On a toutes les maisons individuelles. Ah, il y a des voitures à aller fouiller. Quelque chose dans les poubelles, peut-être. Quelque chose dans les poubelles. Encore des jumelles. Encore un sac à dos? Nice, nice, super nice. Oh yeah, un large backpack. Ah, ça c'est bon. Et il faut absolument que je retourne à un campement sécurisé en vie. Sinon, là, je vais m'en vouloir à mort. Du coup, je pense. Je vais. Oh, mais il m'a fait peur celui-là. Je vais pas trop tarder ici. Ouais, là c'est de la boulette carrément. Regardez-moi ce truc là. Un backpack, deux backpacks, trois backpacks et la race de trucs. Super cool. Oh là là, encore plus de stuff. Water, chips, water. Cool. Ah, là il y a encore quelque chose. Il y a pas mal de méchants. J'ai l'impression qu'il meurt assez facilement. Je sais pas si ça a à voir avec la mise à jour. Ah, ça se stack les. Ah oui, ça se stack. Pas mal, je pensais que ça prendrait une place à chaque fois, comme les armes ou des trucs comme ça, les sacs à dos même. Mais non. Nous là, il y a de plus en plus de monde par là-bas. Super cool tout ça. Du stuff. Nice.
à boire et à boire. Eh, j'ai pas mal de boissons là, hein. 6 bouteilles déjà. Des petites et 3 grandes bouteilles. Oups, j'en ai un gros 2, ça c'était pas prévu. Pas d'argent. No money. Oh là là, y a du monde là-dedans. Il y a du monde. Ouais, non, en fait, j'ai pas l'impression qu'on arrive à les tuer plus facilement. Alors, j'ai vu du stuff, ça a l'air barricadé comme endroit. Il y a vraiment pas mal de stuff ici, hein. Alors dans les vidéos de présentation de DayZ qui ont été faites par la dev team, je sais pas si vous avez si vous aviez vu, mais il y avait la possibilité de barricader des maisons. Ah merde, j'ai plus de place. Ouais, il y avait la possibilité de prendre des planches de bois et de barricader les fenêtres. Apparemment, c'est pas quelque chose qui est déjà implanté. Alors, qu'est-ce que je peux jeter? Ah ben un flare, je sais même pas pourquoi j'ai pris ça moi. Allez, les bandages d'X. Ça aussi, j'ai hâte que ce soit mis en place. Bon, en revanche, j'avais visité ces bâtiments. Ah oui, c'est la poste, ou quelque chose qui y ressemble. Ouais, donc il y a la possibilité de barricader un bâtiment, mais la dev team nous a précisé qu'il n'y avait pas moyen d'indiquer qu'un bâtiment est à nous. Oh là là, regardez-moi tout ce stuff. Ah, il y a un flingue en plus. Mais j'ai plus de place. Ah, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Il faut que je fasse un choix. J'ai faim, je peux pencher ça. Can of pasta, voilà. Ensuite. Allez, c'est le moment d'être discret à fond. Ça donne quoi? Un Jericho 9 mm. Can of soupe, j'ai plus de place. Can of soda, j'ai de la place. Water, j'ai de la place. Il y a vraiment pas mal de stuff ici, c'est super cool ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à prendre ici? Ah bah les painkillers, ça j'ai toujours de la place. Voyons voir. J'ai 4 paires de jumelles. Ah donc les jumelles, c'est vrai que ça se stack, je peux les prendre. Ah pourquoi les marteaux ça se stack pas, bordel? J'aimerais bien prendre le marteau là, mais je sais pas quoi laisser à la place. J'ai un instant oatmeal. J'ai 6 paquets de chips. Ah là là, je sais pas quoi laisser à la place. Je sais pas quoi laisser. Ça me. Alors, je vais dropper ça. Je vais prendre la soupe. Je vais la boire. Voilà. Et je vais prendre le marteau à la place. Allez, c'est bon. Allez, il faut que j'arrête de me poser des questions et que je me barre d'ici. Bon, et eh ben au moins, j'ai découvert un endroit vraiment sympathique, hein. Il faudra que je pense à y revenir. Parce qu'il y a vraiment la race de stuff. Ah non, j'ai cru que c'était un hélicoptère, c'est juste deux rochers, n'importe quoi.
Allez, je vais me mettre à l'écart de cette ville. Tiens, est-ce qu'il y a du... 13 balles en plus. Cool. Et puis je suis persuadé d'avoir des chargeurs de 9 mm dans l'inventaire global. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, les amis, il se fait tard. Je vais vous laisser là. On se retrouvera pour un prochain épisode demain ou après-demain. Sûrement après-demain. Et le premier objectif de ce prochain épisode sera bien sûr de me diriger dans un campement sécurisé pour ramener tout le bordel que j'ai sur moi. Ok, allez, on va dire que ici je peux déconnecter sans trop de crainte. Ok, merci d'avoir regardé la vidéo. Moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao les amis.